Comment ajouter une vidéo sur une autre vidéo avec Filmora. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment incruster une vidéo sur une autre vidéo. Donc nous verrons comment la déplacer sur la timeline, comment la redimensionner, comment y appliquer un masque ou des corrections. Nous verrons d'ailleurs qu'il y a trois manières différentes d'appliquer un masque sur Filmora. Et à la fin, on obtiendra ce résultat. Ceci est mon 54e tutoriel Filmora, donc n'hésitez pas à vous abonner si le sujet vous intéresse. Allez, passons maintenant sur mon ordinateur. Ajout de la vidéo. Ok, me voilà sur mon ordinateur. Donc dans un premier temps, je vais déplacer sur la timeline la première vidéo, celle qui fera office de fond. Donc je la sélectionne et je fais un glisser-déposer sur la piste 1. Si jamais vous ne disposez pas de piste vidéo au-dessus, ajoutez-la. Vous pouvez le faire en cliquant sur cette icône et en choisissant « Ajouter une vidéo ». Dans mon cas, j'ai déjà d'autres pistes, donc je n'ai pas besoin de le faire. Alors ensuite, on va déplacer la seconde vidéo. Je vous la présente en double-cliquant dessus. Donc je la déplace sur la timeline au moment souhaité. Donc on voit que là, ça recouvre complètement la vidéo qui était en dessous. Pour la redimensionner, c'est simple. On double-clique sur la vidéo du dessus et on utilise les coins pour la redimensionner. Et pour la déplacer, on clique dessus et on la déplace à l'endroit souhaité. L'objectif, c'est de représenter cette personne en train de rêver, donc on la place en haut à droite. Donc sur cette vidéo qu'on a rajoutée au-dessus, on peut y faire des changements, tous les changements possibles et imaginables. On peut la modifier avec la section transformer. Donc je vous laisse explorer. Je vais juste y appliquer une ombre portée. Donc on a ajouté une ombre portée à notre vidéo en superposition. On peut jouer sur la direction de l'ombre en cliquant sur ces flèches. On peut jouer sur l'opacité de l'ombre avec ce curseur. Alors comme je vous disais en introduction, il y a trois manières différentes d'appliquer un masque sur une vidéo en superposition. Créer un masque, première méthode. On peut cliquer directement sur cet onglet, masque, et là on voit un certain nombre de masques à notre disposition. Donc il y a le cercle, ou plutôt l'ovale, la ligne double, la ligne simple, le cœur, et l'étoile. En dessous de chaque masque, vous avez un certain nombre de paramètres que vous pouvez modifier également. Vous pouvez par exemple modifier sa position, X et Y. Vous pouvez modifier son échelle, bien évidemment, sa rotation. Vous pouvez également inverser le masque, si jamais ça vous sert. Le grand intérêt de ces masques, c'est qu'on peut les animer avec des images clés. J'ai expliqué de nombreuses fois comment animer ces masques. Je vous invite à consulter mes playlists. Créer un masque, deuxième méthode. Je vais sur Effets et puis sur la catégorie Utile. Et là, vous verrez que vous aurez deux effets masque. Masque 1 et le deuxième, c'est masque de forme. Masque de forme, c'est encore un autre type de masque. Je vais le déplacer sur le clip pour voir ce que ça fait réellement. Je double-clique dessus. On va sur l'onglet Effets qui est apparu. Et là, on a un certain nombre de paramètres qu'on peut modifier. Je vous laisse explorer. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y a qu'un type de forme, donc ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Créer un masque, troisième méthode. Donc là, je déplace le masque 1 sur notre clip avec un glisser-déposer. Je double-clique dessus, je clique sur Effets. Et là, vous voyez, on a à notre disposition un très grand nombre de formes. Passons-les en revue rapidement. Alors vous voyez qu'au niveau des formes, il y a vraiment le choix. Donc là, on va appliquer notre nuage. Par contre, on voit qu'il manque les bulles qui connectent le nuage avec la tête. Donc, on va les recréer. Pour ce faire, on va faire des copier-coller. Je clique droit, copier. Je sélectionne la piste en question et je fais CTRL-V ou CMD-V pour le coller. Même chose sur la piste 4. Alors, la piste 2 contient le nuage originel. Alors, je vais modifier la piste 3 et la piste 4 pour qu'elles apparaissent en forme de bulles. Je vais commencer par la piste 3. Je double-clique dessus. Je vais sur Effets. Je modifie la forme en choisissant le cercle et je modifie XY, l'échelle de X et l'échelle de Y. Ok, c'est bon. Maintenant, on va cliquer sur la piste 4 et on va faire la même chose. Alors voilà, on a fini. Passons la vidéo pour voir le résultat. Alors on voit que c'est un peu abrupt, on va rajouter des transitions à nos trois pistes vidéo. Donc je clique sur OK, je vais sur Transition et je vais appliquer Focus entrant et Focus sortant à mes clips.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Faites-le moi savoir s'il vous plaît. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, bien évidemment. Et n'hésitez pas à me suggérer des idées de tutoriels. Allez, ciao et à la prochaine, j'espère.